Et salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur Sky Green, donc épisode 12. J'espère que vous allez bien. Alors vous, par contre, vous jartez de mon chant, s'il vous plaît. Merci. Et toi? Donc je disais épisode 12. Oh mince, ça pète. Mince. Tant pis. Alors, on va se faire une hache pour récupérer le bois pour finir le truc qu'on avait commencé l'autre jour. Sur le spawner un wither squelette. Alors on va prendre, ah mais j'ai du bois, même peut-être pas besoin de couper. Enfin, je vais couper le truc au final, je vais couper l'arbre, mais pour l'instant je vais aller m'occuper de ça. Hey, est-ce que j'ai replanté? Je suis en train de me demander un truc. Ah mince, j'ai laissé la porte ouverte là-bas aussi. Je parle de l'autre spawner qu'on avait aménagé bizarrement d'ailleurs, qui était bien de la merde. Parce que je l'ai ouvert. Je sais même plus d'ailleurs si je l'ai fait dans la dernière vidéo ou pas. Oh là là. Ici on va laisser. On va faire l'entrée derrière du coup. Ça va être bizarre mais ça va être ça. C'est juste pour que ça pop. J'aimerais bien que ça pop à l'intérieur en fait. Hop. On va péter ça. Voilà. Mince, je galère avec les blocs. Hein. Voilà. Alors on va aller récupérer l'arbre du coup. Juste voir un truc parce que ça me perturbe que ça. Il me faut du bois d'ailleurs. Pas du bois, des blocs. La dirt, ça va faire l'affaire. Je sais plus si c'est dans la vidéo d'avant justement ou pas. Et que je suis venu là en fait, mais je suis mort et j'ai perdu tout mon stuff. Bon, enfin bref. Voilà, donc j'ai fermé. C'est bon. On va couper, on va finir l'arbre. D'ailleurs, oui, j'ai toujours pas regardé. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pas replanté l'arbre. Je vais prendre 4 pouces. Hop. On va aller planter l'arbre là-bas parce que ça pousse pas et j'ai besoin de bois continuellement. Donc ça pousse pas sur le mycélium. Si à chaque fois je perds la terre. Bon, il y a moyen de pas avoir ça. On va juste enlever celui-là. On va enlever tout le mycélium qui reste. Et voilà, c'est bon. C'est réglé cette histoire. On va planter les petits arbres. Voilà, on va péter ça également, qui ne nous sert à rien, mais c'était pour le challenge d'avant, donc ça c'est fait. On va faire une hache, comme on a de la cobble. Hop, toujours, donc je vois pas mon curseur, c'est chaud on va dire un peu. Alors on va juste bien organiser ça, j'ai plus de pioche non plus d'ailleurs. Donc c'est un peu chiant. Mettre le poulet ici, je vais bouffer maintenant. Il va falloir que je rebouffe derrière, mais je vais, ça va suffire pour le moment. On va finir cet arbre. Voilà. Bon, j'allais quand même piller la moitié de l'arbre. Ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir faire se reproduire les vaches, je pense. Comme on avait fait ça au début du dernier épisode. Voilà. On va utiliser tout ça. On va transformer en planche. C'est bon, ça va le faire. Il y a largement assez. J'aurais besoin de portes aussi. Je ne sais pas si les... Chut, chut, chut. Ne tire pas de flèches. Il y a un petit coquin qui me tient des flèches. J'aimerais bien avoir du verre aussi. Ce serait bien mieux de voir les mobs du coup. C'est toi que je veux. Eh, mais vos gueules. Non.
Mince. Comment vais-je faire? Il est là-bas. Il y a un petit coin pour qu'il pop en haut. Je veux mon diamant en fait. C'est juste ça. Je veux faire mon épée en diamant. Que je n'utiliserai bien sûr pas parce que à chaque fois je tombe, donc c'est pas la peine. Bon, si quand je pète ce bloc, il y a un bâtard qui vient me pousser. Il pop en même temps presque, hein. Mince. Hop, bon, ça va le faire. Voilà. Si je ferme ça, à peu près. Je vois rien non plus, je vous assure. Il m'a one shot. juste. On va le placer ici plutôt parce qu'il poussait mal. J'ai pas d'autre. J'ai une hache. On va prendre la vieille hache. Va falloir attendre 10 secondes. Qu'est-ce que. Ok, c'est bon. Désolé, mon portable avait fini de charger, c'est tout. J'aimerais bien récupérer mon stuff juste. J'ai plus d'armes. Je peux plus partir non plus. Non, pète pas, pète pas, pète pas. Il vaut mieux que je me suicide, qu'il dépop et tout. Non, j'ai des trucs sur moi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Sinon, j'étais mort, je crois, avec le poison. Donc, tant que je fasse ça. Que je retourne au vite fait. J'ai dit vite fait. Que je récupère mon épée, voilà. C'est vraiment tout ce qui m'apporte. Au pire, j'ai perdu un arc, alors c'est pas la mort. Alors, on va voir le suspense. Si on va récupérer un diamant ou pas. Ah, mais j'ai mon casque qui rappe contre la fermeture de mon gilet. C'est relou. Allez. Ça drop des torches. Ah non, c'est des golden nuggets. On dirait des torches quand c'est au sol. Ok. Je mettrai une porte, hein. Deux portes d'ailleurs, je pense. Il a du pop dans le plafond. Hop. Pas donné grand chose d'intéressant. Je continue à faire ce que je faisais. Voilà, donc ça permet de nous protéger au cas où il y en a un qui nous pousse et tout. Voilà. Alors j'ai pas l'impression que ça fasse plus jour ou quoi que ce soit. Alors, il m'a empoisonné. Je veux mon diamant, s'il vous plaît. Yeah. Je veux un diamant. On a réussi à en avoir un dans le dernier épisode. Je veux mon deuxième diamant. On va pouvoir faire des trucs, des épées en or et tout, du coup, avec les nuggets. Ça va être plutôt cool. J'ai pas mal de nuggets là, donc normalement, ça devrait le faire. On drop 10 par 10 ou 20. Je sais même pas d'ailleurs. 10 ou 20 peut-être, je sais pas. Alors attendez, j'ai juste un antivirus. Dégage. Vous avez dû le voir. Comme je suis plus avec Frappe, c'est plus les jeux qui filment. Mais c'est tout. Eh mais allez, il veut pas le frapper. Donc ils m'ont donné du charbon. Je vais me barrer parce que. Ah ça va commencer à pop. Faut que j'aille faire des torches. Juste je me mets là. Ok c'est bon. Je vais aller faire des torches. Il y a l'arbre qui a poussé là-bas. Je vais faire des torches juste pour la plateforme. Je vais aller éclairer la plateforme. Il faut de la bouffe aussi.
Pour l'instant, je vais bouffer ça. Je tuerai des vaches après. Je vais éclairer la plateforme pour pas que ça pop dehors. J'ai pas envie que ça pop. Toi, du coup, ça va pop au-dessus. Ça popera pas au-dessus. Hop, ça permet de monter au toit. Au cas où je fasse un étage, ce qui m'étonnerait. Pourquoi tu pop là, toi? On récupère un peu de vie avant d'y aller. En vrai, ça fait pas trop dégueulasse ces constructions avec ça. Alors on va essayer d'y aller. On le voit pas très bien dans le fond là. Il y en a plusieurs, on va faire gaffe. Mince. Il y a des squelettes, je vais me barrer. Me tire pas dessus. On va manger du pain plutôt. Hein. Mais c'est une blague, il m'a suivi jusque chez moi, le gars. Dégage. Alors, par contre, mes objets ont des pop, j'ai l'impression. Tant pis. Je suis même pas sûr, je sais pas ce que j'avais sur moi. Voilà, donc on a pas mal de pépites. On va pouvoir faire des stuff en or tout à l'heure. Si j'y pense. On a notre bouffe au max. Je suis plutôt bien. Oh, il y a un diamant, il y a un diamant, il y a un diamant, il y a un diamant. Faut pas qu'il explose. Il y a un diamant, si je me trompe pas. Mais pourquoi il explose après? Ah! Oh, j'espère qu'il n'y a pas de trucs qu'on repop. Hein. Y a un diamant, y a le diamant. Tout le reste n'a pas d'importance. Au revoir. J'ai mon diamant. Alors tout ce que j'ai perdu, ça a aucune importance. J'ai mes diamants. Hop, on ferme ça pour le moment. On n'a plus trop d'intérêt à aller là-bas. On va finir notre challenge. Je ne sais pas ce qui va arriver comme il après, je ne sais plus. Ah, j'ai plus mes sticks. J'ai plus de bois non plus. On va poser ça. Hein. Ça, c'est clair. On va juste faire des lingots d'or. Je sais plus comment on fait des lingots. Oh, c'est ça, ok. Nanana. Voilà, ça fait pas tellement de lingots que ça quand on y pense. Ça va permettre de faire les épées. J'ai mes diamants, donc ouais, il faut que j'aille chercher un bout de bois, quoi. Il y a un machin qui m'attend là. On va en récupérer deux. On se refera une hache après. On va reprendre un petit peu plusieurs pour faire des sticks. Parce qu'il me faut aussi une hache. Une pioche. On va voir. Alors je sais pas du tout c'est quoi l'île. Là j'attends avec impatience de voir ce que c'est. J'ai cliqué à côté, enfin j'ai arrêté de cliquer. Voilà, bon, ça va suffire. Bon, bah, il nous aura fallu 2 épisodes pour avoir nos diamants. Surtout comme j'avais pas assez de fer. Et que je devais. Enfin, je pouvais pas savoir qu'il allait y avoir des diamants à récupérer. Je ne savais pas. Voilà. Et l'épée. Donc c'est craft une diamond sword, on est d'accord. An ancient table. Alors, mais que va être la prochaine île? Où est-elle? Elle est là. Au revoir. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai failli mourir encore. Alors, la nuit, j'aime pas du tout. Alors, c'est une truc du Nether. Alors, attendez, elle a pop dans mes vaches, donc. Ah, du coup, ça pète tout.
Ah oui, en effet. Ah mince. Va me falloir des blocs. Parce que du coup là, ça, je ne savais pas que l'île allait pop là, moi. Ah, c'est dans les vaches. Mince, quoi. Ah! Du coup, là, elles peuvent sortir. Ça va être chiant, ça. Par contre, il m'arrive que des couilles, ça m'énerve. Ça m'énerve clairement. J'ai plus de bois. Bon, dégagé, c'est bon. Mais pourquoi? Ah, c'est pas vrai, elles sortent toutes par là. Quand je dis qu'il m'arrive que des couilles dans cet épisode. Oh, c'est pas vrai. Pff. Écoutez, toutes les vaches qui sont allées dehors, bah, je vais les tuer parce que. J'ai vu l'araignée. Hein. J'accepte pas que les vaches sont. Comme ça. Mais c'est quoi? Comment elles ont fait pour aller là? Ah, oh, il m'arrive que des couilles. Ça m'énerve. Ça m'énerve clairement. J'ai vu une autre vache qui traîne là. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Va me falloir du bois, il va me falloir du bois. Ouais, par contre, du coup, les îles comme ça. Quand on fait des aménagements, du coup, ça pète des aménagements. Ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est un peu l'île comme ça. Du coup, mais j'avais pas prévu que ça devait arriver là, quoi. Il n'y a pas de squelettes qui peuvent nous tirer dessus, c'est bon. Alors, toi, tu vois. Voilà, tu dégages. Non, toi, tu dégages là, je vais plus le voir. Hop. On va faire ça. Elles vont plus. Mais monte. Elles vont plus pouvoir venir là. Elles vont plus pouvoir sortir. Elles vont pas m'embêter. Et j'ai pas réussi à placer correctement le bloc. Ah, du coup, j'ai perdu la moitié de mes vaches. Ce qui est génial. Ce qui est totalement génial. On va redonner du blé aux vaches. On va poser ça. On va cuire ça. Hop, on va les donner du blé. Donc c'est le bazar dans cet épisode. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout se retourne contre moi. Voilà. Tu peux plus sortir, tu peux plus sortir. Ouais, du coup, mes vaches ont bien diminué. Bon, j'avais besoin de bouffe, heureusement, mais. On va donner du blé aux gosses. Je crois qu'on peut, non? Dégage! Non, on peut pas donner de blé au gosse. Je suis tombé. On va se faire une hache. Il commence à faire jour. On va juste couper l'arbre. Et puis ça va être bon. Alors, craft an ancient table. Donc, on se dit qu'il y a encore besoin de ça pour faire des bouquins. Donc ça, normalement, j'en ai assez. J'en ai assez pour faire des bouquins. C'est bon. Il y a l'obsidienne qui est là-dedans. Si je me trompe pas, il y en a un, donc je pense qu'il y en a plusieurs autres. Il y a du quartz. Pourquoi? Je pense que c'est juste pour le principe, quoi. Du coup, bon, on verra bien. On va couper l'arbre, j'ai dit. Faut que je me fasse une hache. Par contre, les lingots de fer, où on peut les avoir, je ne sais pas. Hein. Je me rappelle plus. On va manger un petit coup. Enfin, deux petits coups. Voilà. Bon, on va péter ça. Je ferai hors vidéo les diamants, bien sûr. Parce que ça va être long, hein, vous vous doutez bien. Plus chose que de mourir en plus plein de fois. Bon, en tout cas, la prochaine fois, je serai mieux préparé déjà. Je vais essayer de vite fait de réaménager un petit peu les vaches et tout ça, comme là, je vais avoir du bois. Par contre, il y a la masse de monde ici, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être assez éclairé, pourtant le champ, je sais pas. Je verrai ça quand il fera nuit, du coup. Faut que je récupère mon blé d'ailleurs aussi. Allez, plus beaucoup. Faut que je replante, je replanterai quand ils seront tombés. Je vais récupérer le blé. Oh putain.
casser une graine du coup. Oh non, mais c'est une blague! Mais c'est une blague, c'est pas possible. Et d'où? Hein? Mais d'où ils viennent? Lui, je pensais qu'il était tombé par terre, moi. Ah, mais ils peuvent venir là, les mobs. Mais hein? Il vient d'où? Alors là, il y a quand même un truc à éclaircir là-dessus. Donc là, j'ai l'impression que les carottes sont cuites. C'est le cas de le dire. Non, pas du tout. Comment savoir si les carottes sont prêtes ou pas? Écoutez, bonne question. Alors, par contre, le truc avec les creepers là, c'est chelou quand même. Il n'y avait plus. Donc ils étaient invisibles. Ah, peut-être. Peut-être invisible quand je meurs, en fait, les mobs deviennent invisibles là où j'étais. Enfin, certains mobs, c'est ça qui est bizarre d'ailleurs. J'ai perdu un blé. Hop. C'est pas trop grave pour un. Le taux de perte est pas énorme. Bon, mon champ est vraiment devenu de la merde, celui-là en tout cas. Là, elles sont prêtes, mais comment savoir? Là, j'ai des graines, hein. Planté, là-bas il y a de la place. Hop, ça a poussé partout comme ça. Ah non, pas partout encore. Des carottes, j'en ai. J'ai des carottes. J'ai planté une patate dans le tas aussi. Là, ça c'est une patate. Bah, elles étaient cuites. Faut que j'arrête de dire ça, c'est pas drôle. Comment savoir si elles sont prêtes? Elles ont l'air à chaque fois, hein. Elles ont toutes. Elles ont toutes le même aspect à peu près. Bon, écoutez, on va tout ramasser. Moi, dès que je vois les carottes, ça veut dire que c'est prêt. Au moins que c'est peut-être le taux de chance d'avoir plus d'une carotte aussi. Pourquoi? Comment? Mais c'est pas vrai ça. Comment elles font encore pour monter là-haut? Ah, ok. C'est ici. Voilà, donc là, elles peuvent plus monter. Ça, c'est bon. Elles sont isolées, elles peuvent plus sortir. Je vais plus avoir de vaches suicidaires. Donc, c'est réglé. Bah, écoutez, les amis, on va se laisser là parce que ça fait quand même un petit moment. Il y a encore une vache là-bas. Bon, je la tuerai quand j'y penserai. Là, clairement, ça m'a gonflé cet épisode. C'était un peu chiant. Hein. Je sais pas vous. Mais moi, ça m'a pété des boules. Bon, écoutez les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et puis bah, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Bon, allez, du coup, je vous laisse les amis. Allez, salut tout le monde.